Salut les gens, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur du GTA 5 RP. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis policier débutant, vu que le RP vient juste de débuter et de commencer. Donc voilà, je vous laisse regarder le petit gameplay et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, très bien, très bien. Vous faites quoi de beau ici? Je suis venu voir un ami, mais je regardais s'il était là, mais il est pas là. Il est pas là? Non, il est parti. Je pensais qu'il était là, mais finalement. D'accord, très bien. Donc voilà. Ceci est votre véhicule? Celui-là, oui, c'est oui. Le vôtre? Oui, je l'ai acheté récemment, car la mienne, mon ancienne, a explosé. D'accord, très bien. Vous l'avez acheté? Oui, je l'ai acheté. Oui. Vous l'avez déclaré, votre voiture? Oui, c'est bon. Oui. Tout est noté à la banque et tout. Et... Quel est votre numéro d'identité, s'il vous plaît? Je vous le passe. C'est 1007. D'accord. Je vais juste vérifier si votre voiture a été déclarée sur votre fiche. D'accord. Eh bien, pour moi, vous n'avez pas de véhicule. Ah bon? Tout à fait. Alors, attendez, je vais. Non, j'ai bien noté. Je vais noter que vous avez un véhicule. C'est celui-ci exactement? Oui, il est acheté bien aujourd'hui. Ah d'accord, parce que chaque véhicule acheté, faut nous le dire, faut nous le déclarer. Pour qu'on puisse voir après au niveau des véhicules volés, au niveau des plaques. Ah d'accord, excusez-moi là. Bon, c'est pas grave. Là, c'est la numéro 09. Z, c'est ça, 791. Oui, c'est ça. Et c'est quoi comme véhicule, s'il vous plaît? La marque, vous voulez savoir? Oui, c'est ça. Ouais. Montez dedans et ça. Attends, va vous mettre. Vous allez monter dedans. Ah. Bani Primo. Dites-moi juste le premier mot. Abrami. Abrami, d'accord. Très bien. Attendez, sinon je peux avoir le nom exact. Je vais le donner tout de suite. Albani Primo, voilà. Albani? Vous écrivez ça comment? Albani Primo. A-L? A-L... A-L-B-I-M-O. L-O, c'est ça? Ouais. Albilo? Non, je crois que c'est un N, attendez. Albino. Non, c'est... Ah, c'est écrit derrière votre véhicule. Primo Albani. Primo, ouais. Bah oui, voilà. Primo Albani. Ah oui. Vous pouvez m'ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Juste que je regarde si vous avez rien dedans. Ah, elle est neuve, elle est toute neuve. Oui. Ok, très bien. Un signal. Ok, bon, bah, c'est parfait. Comme ça, j'ai noté votre véhicule, vous n'aurez pas de problème si... Non. Si vous avez un contrôle.
D'accord. Très bien. Bon, bah, je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci à vous Merci, aussi. au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous dites, vous aussi? Moi, je discute avec des amis. D'accord. Ça fait un bail que j'ai pas vu. Faites gaffe, c'est un quartier quand même assez tendu ici, hein, avec pas mal de violence. Ouais, je sais. J'ai un problème, je vous appelle tout de suite, mais j'en connais 2-3 ici. D'accord, très bien. Un gros problème. Votre permis s'est bien passé? Bah ça va, j'ai fait quelques erreurs quand même, mais j'espère l'avoir en tout cas. Vous avez passé votre 1000 euros, ça fait votre permis poids lourd. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Ça sera plus qu'à vous acheter votre véhicule personnel et puis après vous êtes parti, quoi. Ouais, voilà. D'accord, très bien. Bon, ben, bon courage à vous. C'est votre véhicule? Merci. Enfin, c'est le véhicule de ma grand-mère. D'accord, c'est le véhicule de votre grand-mère. Très bien. Ok, bon, bah, je vous souhaite une bonne journée, puis bah, à la prochaine. Merci à vous aussi. Une bonne journée, au revoir. À vous aussi, au revoir. Merci. Bon, je vous ai convoqué pour une simple et belle raison. C'est pour vous féliciter du travail accompli sur la formation port d'armes. Très bien, merci. Merci, monsieur le président. Voilà, je suis un président qui aime remercier et féliciter ces hommes. C'est pourquoi j'ai décidé de vous verser une prime. Donc une prime qui ira à chacun vous de. Enfin chacun de vous dans votre poche personnelle. Je vais vous verser 10 000 sur le compte police. Et je compte sur vous pour vous la partager à parts égales. Très bien. D'accord, merci monsieur le président. Merci à vous. Voilà, c'était tout. Vous avez quelque chose à me signaler par rapport à la ville ou quoi que ce soit? Ah oui. Je vous ai fait mal? On a un petit peu glissé sur la rambarde. Fusil à lunettes. Et le moindre mouvement, il prend une balle dans la tête. Ok, moi aussi je me suis équipé. Il sort une arme ou quoi que ce soit. Moi aussi je suis équipé. S'il y en a un qui bouge, les deux meurent. C'est ça. Je suis lance-patate, faut peut-être changer. Quoi. Ouais, lance-patate ça va être un petit peu dangereux quand même. Attends, bouge pas, je vais faire le tour. Le président il est vers la gauche. Ouais, il nous a demandé de rester discret du coup quand même. Ouais, c'est pour ça, ouais. Au pire que je sois dans le dos de l'autre, c'est pas grave, il me verra, mais l'autre me verra pas.
ce qui est bien en vente. Qui est vos mères, tu vois, c'est bas. Bon, j'ai rien fait. Il bouge pas ? Non, ça bouge pas, pour le moment. Ah, je suis planqué dans la porte. Tu te retournes, il regarde les meufs partir. Mais normal. Le mec dans le mode discrétion. Qui ça? Toi. Je suis discret. Ah, j'ai vu ça. Ça va sauter, tu l'as sauté derrière, tu sais. Et du coup, j'ai commandé le véhicule que dont je te parlais, tu sais. Le Vapid Cotender. Yes. Je pense que ça va être un, ça peut être un bon truc. Et je vais essayer de revenir. Si tu as aimé ma vidéo, laisse un pouce bleu, mets ton avis dans les commentaires et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.